1000 fois x. Ouais, non. On les colle directement. Donc, ça fait quoi ici? 2x. Plus quoi? Plus 6. Ouais, lui là, il fait combien? 6. Lui là, il fait combien? Voilà. Donc, c'est tout. Est-ce que on s'en comprend? On s'en comprend? Elles ont compris. C'est bon, non? Voilà. Donc, ça, c'est 1. Enfin, deuxième. 2. Supposons qu'on a 3 facteurs. X moins 4. Comme ça, allons-y. Oui. Donc, il fait quoi? C'est ça, non? Ensuite, je fais même chose encore fois quoi? Fois 4. Donc, je vais écrire ça égal devant. Donc, il fait 3 fois quoi? Donc, 3 fois x. Ici, on n'est pas obligé de tenir compte de leurs signes. Parce que les deux, là, leurs signes, c'est quoi? Plus, plus. Comme on est au début, on ne met pas plus là. D'accord? Maintenant, ici, regardez. Je fais 3 fois quoi? Non, non, signe de 4, là, c'est quoi? Voilà, donc, 3 fois moins 4, comme ça. C'est ça, non? Normalement. C'est ça? Donc, je mets quoi? J'ai fait 3 fois x, non? Je mets plus au milieu. Facteur quoi? 3 fois x. Est-ce qu'ils comprennent? Quand tu finis de faire ça fois ça, là, tu mets plus au milieu. Ensuite, maintenant, tu fais ça fois ça. Vous voyez, 3 fois moins 4. On tient compte de leurs signes. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Allons à un sens. Oui? Ça fait quoi maintenant ici? Ça fait 3x. Ici, on met toujours un plus. Ça, c'est le plus de la formule. D'accord? Qui n'a rien à voir. Donc, ici, allons-y, il fait quoi maintenant? Il fait quoi maintenant? Il fait 3 fois moins 4. Ça, tu peux taper directement à la machine aussi. Parce que c'est deux nombres réels. D'accord? Maintenant, je vous ai montré comment on fait ça. On fait ça comment? Le signe de 3 là, c'est quoi? Plus. Le signe de 4, c'est quoi? Donc, il fait plus fois quoi? Il fait combien? Donc, ça, il fait parenté dans moins quoi? Maintenant, il fait 3 fois 4, ça fait combien? Moins 12. D'accord? Est-ce qu'il voit? Maintenant, le plus qui est là. D'accord? Le plus et le moins. Lorsque vous avez ça, plus, un moins comme ça. Ou bien moins. Et puis plus comme ça. D'accord? Juste après la parenthèse là, comme ça là. Alors, tu remplaces tout ça là. Tu enlèves même. Tu viens en bas, tu remplaces ça par moins. Tu remplaces ça par moins. D'accord? Donc comme ça. Il y a plus et puis il y a quoi ici? Il y a moins. Donc je remplace tout simplement. Il recopie 3x là. Je remplace les deux là. Ouais. Il y a plus à un moins. Comme ça. Je remplace ça par moins. 12, tout simplement. Donc, ça fait 3x, 3 facteurs x moins 4. Tout simplement. D'accord? Est-ce que vous voyez? Ça, on appelle ça développer. Ça, c'est le premier cas. Ça va? Ça peut aller? Oui? Donc, quelqu'un? Oui? Oui? Donc, A. A égale à 4. Facteur x moins 7. Oui, rapidement. Donc, on fait comment? On a fait quoi? Ça fois, ça fait une flèche. Alors? Pardon, flèche dans des voies, mais pas. Pardon. Allons. On ne met pas flèche là. Donc, on fait 4 fois quoi? Donc, on met ça en parenthèse d'abord. Allons-y maintenant. On met plus là. Plus qu'un milieu, c'est quoi? C'est plus de la formule. Donc, on met plus là comme ça d'abord. Ensuite, maintenant, il fait 4 fois quoi? Le signe de 7 là, c'est quoi? Le signe en réel à gauche, non? Allô? Alors, ça? Ça fait quoi? 4 quoi? 4. Alors, 4x. On met plus là. Facteur. Facteur. Ici. Voilà.
Ça fait quoi? Moins 20. Moins 28. Fermez-moi. Voilà. Égal 4x. Maintenant, ici, là, regardez, il y a moins quoi? Plus moins. On met quoi? On met moins au milieu simplement. D'accord? Quand tu as ça, n'oubliez pas ça. C'est bon? Bien. Oui, quel? Oui. Oui.